ils sont les adversaires. Je crois qu'ils l'ont déjà tué. Et pourtant, j'ai joué hier soir à cette mission. Ah là 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 là. Non, non, c'est vraiment du très très bon. Alors, regardez, c'est très très joli, franchement. Pour un jeu, oui, c'est tout à fait honorable. On va courir un petit peu, passer là en dessous. On peut bien sûr se baisser, se coucher. Là, sur cette mission, évidemment, on peut pas se coucher. Ah oui, on est dans la flotte, c'est normal. Et bah voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Hein. J'ai un peu joué. J'ai un petit peu essayé de dire quelques petits trucs. Donc là, je vais dire du... Pardon. Ah putain. Ah oui, c'est la période. Donc, un petit coup vers la droite... Et un coup de joystick vers le haut. Et puis là, on a la fameuse vision nocturne qui est pas génial, génial. Là, vous voyez qu'on peut... Voilà. Ah, j'ai hésité. Hein, c'était un méchant ou un gentil. On a bien sûr toute la panoplie d'armes qu'on connaît. Hein, des mitrailleuses, des lance-grenades, des claymores, des mortiers, du C4 et j'en passe. Hein, franchement. Là-dessus, il n'y a pas de quoi s'emmerder. Hein. Alors, on peut bien sûr avoir que deux armes, comme d'habitude. Hein. Donc, généralement, un flingue et une mitrailleuse. Alors, pour recharger, comme vous voyez, ouais, comme vous avez vu, là, c'est un petit coup de Munchuk. Hein, voilà, c'est un petit coup de sec et c'est parti. Voilà, là, comme d'habitude, j'ai pas de son. Hein. C'est vrai qu'on est bien emmerdé quand on n'a pas de son. Donc là, j'ai tué eux. Et on va aller dans la maison. Et il faut faire gaffe. Donc moi je vais quand même mettre la vision nocturne. Voilà. Donc un peu plus tard dans cette mission, on va devoir sauver la peau d'un de nos contacts. Or petite parenthèse, le capitaine a la voix du capitaine Haddock dans Tintin. Je crois que c'est lui, ouais. Les ultranationalistes ont des BM-21 de l'autre côté. Alors, de la vous allez pouvoir voir un petit peu les armes type sniper. Dans la vallée. Donc là, visiblement, ils ont certainement fait la guerre plusieurs fois ensemble. Quoi, suivre le groupe. Hein. Donc c'est vraiment Call of Duty, hein, vraiment un vrai Call of Duty où, en fait, compte, on est aussi beaucoup spectateur, hein, plus que acteur. Vania, avance et prépare-toi. Mais bon, voilà, c'est un jeu vraiment qui en met plein la vue. Et sur lui, bah, ça fait vraiment bien plaisir. Vous voyez, là, c'est plutôt joli. C'est pas des feux d'artifice, mais ce sont des mortiers, je ne sais quoi d'autre. Donc là, notre mission sera de zigouiller des tireurs de mitrailleuses. Hein. Donc on va changer d'arme. Voilà. Et on va faire un peu le ménage. Le A pour stabiliser. Voilà, avec ça. C'est bien sanglant. On peut même tirer à travers le mur. Je sais pas si j'arrive à l'avoir. Donc là, j'arrive à dégouiller un dégât. Et puis, je l'ai du premier coup. Hein. Ça, c'est... comme ça. Voilà, ils sont avec nous, et c'est marqué en vert. Vous voyez, hyper précis. Hein. Merde, hélicoptère ennemi. Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait des hélicos, camarades. Donc, c'est plutôt joli. Les effets. Par contre, j'ai pas encore trouvé comment. Ah, si, on peut. Non, j'arrive pas à faire du zoom avec la visée. Donc, peut-être que c'est que cette arme. Avec moi, le sniper, généralement, j'utilise pas tellement. Là, encore là. C'est les personnes. Alors, ça, j'aime pas. Quand on shoot des gars, après, ils ont encore le. Ils sont par terre et ils tirent avec leur pistolet. Recharger.
Voilà, bah écoutez, hein, c'était un petit aperçu de Call of Duty Modern Warfare Reflex, hein, donc la version 8. Allez, salut tout le monde!